I feel my heart cry. Don't let the love die. Je trouve que vous avez des faux airs de Frida Kahlo en blonde. Ah bon? Ouais, ouais. Non, non, non. C'est les sourcils, c'est pour ça. C'est ça, voilà. Non, mais c'est original, hein. Quoi donc? Bah, tout. Ah bon? Tout vos personnages est original. Ouais. Écoutez, pas trop quoi dire, du coup. Bah, moi non plus, hein. Du coup, hein. Mais c'est en or, ce que vous portez, là? C'est de l'or? Non, non, c'est pas du vrai or. Ah ouais? Non, non. D'accord. C'est... Je sais pas comment ça s'appelle. Ah ouais, ouais. Mais c'est inoxydable. Ouais. Ouais. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi on porte ces accessoires de nez, de bouche, de lèvres. C'est... Pour moi, il n'y a pas vraiment besoin. Ouais, ouais, c'est esthétique avant tout. Vous faites depuis le premier casting. C'est esthétique, après, ça fait ça. Oui, mais c'est à Boulogne. C'est bon, si on y va, si j'y vais. Ouais, d'accord. Prendre le matin. Mais vous êtes dans un milieu qui accepte ça? Ah, ouais, d'accord, ok. Ouais. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Hein. Vous êtes dans le milieu et réceptif. Oui, oui, c'est ça. D'accord, ok. Vous êtes créative alors? J'essaie. Ah, ouais, d'accord. Vous êtes au Beaux-Arts, non? Je suis pas aux Beaux-Arts, là cette année je suis à Rien, et je vais rencontrer un design graphique. Ah ouais, l'année prochaine. Excellent. Tiens, je viens de rencontrer un artiste international qui est un des précurseurs de l'art numérique. Il s'appelle Cheyenne Coy. Vous connaissez, non? Justement, je viens de l'interviewer. C'est drôle. Alors je filme parce que j'ai un vlog, ça s'appelle Zéro TV. D'accord. Et c'est... c'est art, littérature, gastronomie, rencontres. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de faire une sorte de journal de bord, comme ça, dans la ville, d'aller à la rencontre des gens, pour briser un peu le monopole des réseaux sociaux sur Internet. Et ouais, c'est un vlog, pas un blog. Ouais, c'est-à-dire, c'est un blog en vidéo. Ouais, d'accord, ok. Et en fait, il y a des Américains qui font ça. Oui. Ah ouais, bah, moi aussi je vais descendre. Hein, de ouais, parce que là, je suis en train d'aller dans une direction que je n'avais pas prévue. Vous appelez comment? Agathe. Bon, écoutez, Agathe, j'étais ravi de faire votre connaissance. Et je suis vraiment. J'apprécie énormément votre ouverture d'esprit et votre côté décontracté dans un monde qui est basé sur la méfiance. Ouais. Ouais. En tout cas, Frida Kahlo en blonde. Voilà. Bonne journée, ciao. Bon, bah, c'était un échauffement là, avec cette jeune fille assez jolie. Donc au début j'avais pas trop envie d'y aller et puis finalement il faut toujours se forcer. Hein, il faut se forcer de manière agréable évidemment. Hein. Et en général c'est une très bonne expérience parce que ça permet de surmonter ses réticences, c'est-à-dire l'idée selon laquelle on imagine que c'est sans objet et sans utilité. I feel my heart cry, don't let the love die.